d'Afrique, vous salue tous. Disons tout simplement bravo et félicitations à la vaillante armée du Burkina Faso, conduite par le leadership éclairé du président Ibrahim Traoré et son équipe. Nous avons tous suivi l'attaque contre une base importante des forces combattantes du pays des hommes intègres à Djibo. Djibo, c'est juste à 200 km de la capitale Ouagadougou. C'est dans la province de Soum, une région du Sahel. Au début de cette attaque, les réseaux sociaux ont été pris en otage par la France et ses communicants, dont malheureusement quelques renégats africains qui criaient victoire pour les groupes terroristes, qui avaient déjà commencé à dénigrer l'approche sécuritaire adoptée par le président Ibrahim Traoré, comme si c'était déjà prémédité, préparé à l'avance pour mener savamment une campagne médiatique de diabolisation et de démoralisation du peuple burkinabé, susciter des frustrations dans les casernes militaires et pour servir un agenda qui n'est d'ailleurs plus caché, celui de la France et de la CEDEAO. Parce que ne vous faites pas d'illusions. Depuis que l'idée de l'Alliance des États du Sahel a commencé à s'imposer et à intéresser d'autres pays africains, ce n'est plus une initiative, ce n'est plus un projet, c'est désormais une réalité. Les projets qui sont en phase d'étude, qui seront certainement mis en exécution dans un meilleur délai, le projet de passeport commun, le projet de monnaie commune, le projet d'une compagnie aérienne, n'est pas de nature à rassurer la France, dont la suprématie reste largement tributaire de notre état d'assujettissement servile. Donc, la France aujourd'hui cherche par tous les moyens à nous mettre à genoux pour empêcher l'exécution de ce projet. N'oubliez pas que les pères de nos indépendances ont tous été assassinés par la France à cause d'une initiative similaire. Les projets de la monnaie, par exemple. Le cas du Togolais Sylvanus, le cas du président Modibo Keïta, le président Voltaïque, et même Ahmed Sékou Touré, qui a échappé. Alors, ils ont dit, leurs renseignements avaient pensé que le maillon faible de la chaîne était le Burkina Faso, qu'il fallait d'abord renverser le pouvoir du président Ibrahim et affaiblir le Niger et le Mali. Mais ils ne savaient pas que l'armée burkinabé est composée de patriotes, les pions de la France étant en exil désormais. Il peut y avoir certains encore tapis dans l'ombre, c'est pas important. Mais le peuple et son armée ont déjà compris les enjeux et sont prêts à défendre leur dignité
et leur indépendance. La France a échoué à réussir un coup d'État au Mali parce que, jusque-là, aucun officier malien n'a accepté de trahir la nation et son serment. Jusque-là. Le même cas au Niger, où tous les officiers ont dit qu'ils préfèrent suivre la dynamique au nom de leur serment, de l'intégrité du Niger et de l'indépendance de ce pays intègre. Posez-vous la question, pourquoi mobiliser 3000 terroristes contre une base militaire de l'armée? Les terroristes ont afflué de partout. Ceux qui ont été défaits au Mali ont replié un peu vers le Niger. Ils ont trouvé des points de jonction, des points de rassemblement pour constituer un effectif global de 3000 terroristes. Interrogez-vous sur les salaires de chacun de ces terroristes. Interrogez-vous sur la dotation alimentaire de ces 3000. Et ça, ce n'est pas tout, c'est une partie. Et la logistique, les carburants, d'où ça vient? Ça, c'est un élément de réponse à ceux qui pensent toujours que ces gens-là, non, c'est quelques voyous qui se sont levés, ils ont pris les armes. Ils n'ont encore rien compris. Pourquoi mobiliser autant de criminels contre un camp militaire? C'était stratégique. Parce que le peuple est fier du président Ibrahim aujourd'hui grâce à l'approche sécuritaire après l'expulsion de la France. Donc, il fallait faire subir un revers humiliant à l'armée du Burkina pour casser le moral, la volonté et l'espoir du peuple et de l'armée et faciliter la chute du régime d'Ibrahim Traoré. Mais on a vu en image la bravoure dont cette armée a fait preuve. C'est un exploit. Malgré la supériorité de nos numériques, 3000 terroristes mobilisés, ils n'ont pas pu pénétrer le camp militaire. Ça, les Africains, les Burkinabés, doivent être fiers de ces soldats du Burkina. Ça, c'est un motif de fierté. Quelque chose a changé au Burkina grâce au capitaine Ibrahim Traoré. 400 terroristes ont été abattus, brûlés avec leurs motos aux abords du camp de l'armée. Les rescapés qui ont pris toutes sortes de directions ont été suivis et traités avec succès par les vecteurs aériens. Est-ce que vous avez vu les médias de propagande qui étaient pressés de montrer les images humiliantes décevantes de l'armée du Burkina? Est-ce que vous les avez vus commenter positivement cet exploit militaire? Les réseaux sociaux, Twitter, etc., les indignes qui étaient là-bas, prêts à célébrer la défaite de l'armée du Burkina, ils ont disparu complètement. Ils sont où? C'est comme le cas de Kidal. L'armée a réussi à déloger les groupes criminels de Kidal. On fait comme si ça n'a pas existé. À l'ONU, à la CEDEAO, à l'Union africaine, la France, les médias occidentaux, les médias africains alignés à cette cause indigne, ils en font un non-événement. Imaginez que ce fût le contraire. Alors, ce qui m'intéresse le plus ici, ça c'est qu'est-ce qui était recherché? Si le camp de Djibo tombait,
dans les mains de ces criminels, ce serait la fin du régime d'Ibrahim Traoré. Parce qu'ils allaient filmer des images pour casser le moral et la volonté du peuple et de l'armée, susciter des frustrations dans les casernes afin de provoquer une mutinerie contre le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Et ce complot vient d'échouer lamentablement grâce à la bravoure et la détermination des forces combattantes qui sont à saluer ici. Rappelez-vous le cas du président Roch Kabore, l'attaque d'Inata, où il y a eu 57 militaires tués. C'est ce qui a fragilisé Roch Kabore et provoqué des frustrations dans les casernes. Cela a abouti à un coup d'État contre le pouvoir de Roch Kabore. C'est logique. Rappelez-vous l'attaque de Gazguindé. C'est Damiba qui était au pouvoir. 27 militaires tués, 10 civils, des dizaines de camions brûlés avec les marchandises avec. Cela a suscité l'indignation et des frustrations à tous les niveaux. Et le peuple a commencé à déchanter et à ne plus croire à Damiba. Ça finit par avoir raison de son pouvoir. C'était une reproduction des mêmes expériences, faire tomber Djibo, choquer l'opinion avec ses images, c'est une guerre psychologique, affaiblir Ibrahim Traoré et susciter une mutinerie qui allait avoir des conséquences fâcheuses et briser les rêves de l'Alliance des États du Sahel. Félicitations tout simplement à l'armée du Burkina et au président Ibrahim Traoré.